أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد. Nous continuons notre aventure à travers la méditation de certains versets coraniques. Nous avons vu précédemment les notions de polythéisme majeur, mineur. Nous avons vu aussi qu'Allah Azza wa Jal pardonne à qui il veut comme il le veut. Nous allons maintenant nous arrêter sur un verset qui vient nous décrire une situation extraordinaire qui est celle de la terre sur laquelle va se tenir le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ » Allahu Akbar. Ce qui signifie « Le jour où la terre sera remplacée par une autre terre. » Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, Inch'Allah. Ibn Atiyya nous dit, la majorité des exégètes, donc ceux qui expliquent le Coran et le Karim, affirment que le remplacement de la terre se fera par une terre blanche et immaculée. La terre telle que nous la connaissons, les montagnes vont être pulvérisées, les océans vont être enflammés, les tremblements de terre vont la retourner. Et Allah Azza wa Jal va ramener une nouvelle terre, blanche, immaculée, et on va voir pourquoi, sur laquelle Allah n'aura jamais été désobéi. Pour être jugé, nous allons être sur une terre là où il n'y a eu aucune désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va remplacer cette terre par une nouvelle, sur laquelle aucune goutte de sang n'aura été versée, et c'est une des raisons pour laquelle elle est blanche, elle vient représenter la pureté, et sur laquelle personne n'aura laissé la moindre trace. Une terre, pour nous juger, qui va être un endroit neutre, un endroit pur. Une terre sur laquelle on n'a plus de repères. Et je voudrais qu'on prenne une petite méditation vis-à-vis de cela, mes frères et sœurs, à ceux et celles qui sont dans le péché, dans la désobéissance, dans le déshonneur de cet héritage qu'est l'islam, n'hésitez pas à partir. N'hésitez pas à déménager. N'hésitez pas à changer de ville si vous le pouvez. Changez de décor pour aussi changer vos cœurs. N'hésitez pas à changer votre entourage. Changez ceux que vous considériez jusqu'à présent comme vos amis. Car qu'on soit bien clair, si vous estimez comme moi, et que j'espère que ma croyance est validée auprès de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, si nous estimons que le Coran est la vérité absolue, alors ton ami, c'est celui ou celle qui te rapproche d'Allah. C'est lui ton ami. C'est celui ou celle qui te voit et qui, lorsque tu t'éloignes d'Allah, se fait du souci pour toi auprès de ton Seigneur. C'est celui ou celle qui vient t'encourager à te rapprocher de lui. C'est celui ou celle qui a conscience qu'au jour du jugement, la terre sera rasée, les océans enflammés, les montagnes détruites et réparties en poussière et réduites en poussière, pardon, et que nous allons tous être ressuscités, nus, les uns et les autres, le regard hagard, en attendant le jugement. Celui qui t'aime réellement, ou celle qui t'aime réellement, c'est celui ou celle qui te ramène vers cela. Et je profite de ce moment-là pour vous témoigner mon amour pour Allah Azza wa Jal. Et si parfois nos propos peuvent paraître durs, il faut que vous compreniez ce qu'est l'amour, mes frères et sœurs. On ne doit pas dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. On doit dire à nos frères et sœurs qu'on aime ce dont ils ont besoin. Entoure-toi de gens qui te disent et qui t'ordonnent s'il le faut, ce dont tu as besoin. Et fais partie de ceux qui disent et qui ordonnent aux gens ce dont ils ont besoin, Inch'Allah, Ya Rabbal Alamin. Le jour où la terre sera changée par une autre terre, ainsi que les cieux. Demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la droiture dans cette vie d'ici-bas, afin d'être lumineux et lumineuse au jour du jugement, et que l'on vive la tête haute,
dans la vie d'ici-bas et vivre la tête haute dans la vie d'ici-bas, c'est vivre prosterné devant Allah. Et que nous puissions avoir par sa miséricorde la tête haute au jour du jugement. Et la tête haute au jour du jugement, c'est être parmi ceux qui sont lumineux des endroits des ablutions, ceux qui ont les traces de la prosternation et ceux qui ont derrière eux des valises et des valises et des montagnes d'heures passées dans l'adoration et des montagnes de hasanat, inshallah ya rabbal alamin. Nas'alullah azza wa jal an yubarik fi ilmina. Demande à Allah de mettre la bénédiction dans nos connaissances. Hadha wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.